Dans cette vidéo, découvrez les différentes étapes de l'aménagement ou de la réhabilitation de la grande mosquée d'Adjamé, où le rond-point de la grande mosquée d'Adjamé est actuellement en cours d'aménagement et de réhabilitation. Et nous avons publié une vidéo, celle-là, la vidéo qui est au-dessus là, nous l'avons publiée juste avant le début des travaux où ils avaient des difficultés pour exercer les travaux, pour exécuter les travaux, parce qu'à cause des commerçants qui venaient envahir le chantier. Et la vidéo de dessous, c'est après avoir déguerpi les magasins qui se trouvaient tout autour de la grande mosquée, et les commerçants étaient toujours arrêtés sur le chantier, malgré les magasins n'existaient plus. Et nous avons publié cette vidéo pour interpeller. Donc dans une prochaine publication, nous allons vous montrer l'état d'avancement des travaux. Et nous sommes passés sur le chantier, mais nous n'avons pas encore réalisé de vidéos dessus. On a constaté que le district a posté des agents de police sur le chantier pour évacuer, pour enlever les gens qui viennent s'arrêter sur le chantier pour empêcher les travaux. Et cela a permis l'avancement des travaux à une vitesse exponentielle. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer l'état d'avancement des chantiers. Le chantier avance à une vitesse exponentielle. Mais ces deux vidéos vous montrent comment le chantier était, et juste après, les autres vidéos à venir vous montreront comment l'endroit a été transformé. Et nous avons toujours dit que ces travaux sont réalisés pour le grand bonheur du peuple. Mais aussi, il faut penser à l'hygiène, à la lutte contre l'insalubrité. Les ordures sont un peu partout, il n'y a pas de poubelles. Donc il faudra aussi songer à cela. Donc restez connectés pour suivre l'état d'avancement des travaux. Nous allons très bientôt vous publier une nouvelle vidéo qui vous montre comment le chantier avance et comment les commerçants aussi qui s'arrêtaient sur le chantier aussi ont pu être déguerpis. Parce que là, il y a les agents maintenant qui sont tout autour du chantier qui empêchent les gens de venir s'arrêter sur le chantier. Merci à monsieur le gouverneur, merci à monsieur Farik. Merci pour votre initiative pour le développement. Si chaque maire faisait de sa commune comme ça, je crois que le Grand Abidjan sera vite une ville attractive.